Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point ISR comme tous les jeudis dans Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique où nous recevrons Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Nous parlerons ensemble donc d'investissement ISR, mais avec le prisme particulier de la préparation de sa retraite, avec notamment les versements au sein de son PER. Ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous reviendrons sur un sujet qui fait largement l'actualité en ce moment, l'actualité politique, mais aussi l'actualité économique ou encore financière, alors que les candidats à l'élection présidentielle émergent dans différentes formations politiques. Nous parlerons de la hausse des prix de l'énergie et nous essayerons de vous apporter un maximum de pédagogie sur le sujet, de comprendre d'où vient cette hausse, mais aussi de regarder concrètement quels sont les impacts et les choses que l'on peut faire lorsque l'on est une entreprise ou un particulier. Nous en parlerons avec Alexandre Andlauer, analyste financier chez Kapler, et Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous découvrirons trois nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine lors du salon Patrimonia. Au programme, un focus sur la Chine et sur l'actualité récente en ce qui concerne notamment les marchés chinois et l'entreprise Evergrande, mais aussi une analyse de l'assurance vie luxembourgeoise avant de conclure sur les mouvements de rapprochement entre sociétés de gestion Smart Patrimoine. C'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. C'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré, vous le savez, comme tous les jeudis, à l'investissement socialement responsable. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce fameux ISR, mais dans vos PER, ces produits qui permettent de préparer votre retraite. Nous en parlons avec Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'ISR, bon, ça n'est pas propre à la préparation de sa retraite, hein, ça couvre tous les placements évidemment, mais est-ce qu'il y a un sens selon vous à regarder ça spécifiquement via le prisme de la préparation de sa retraite ? Alors je dirais oui. Il faut intégrer l'ISR dans tous ses placements, je dirais. Moi, je suis pour l'ISR, je suis promoteur de l'ISR, c'est mon rôle. Et donc, par rapport à la retraite, encore plus. Pourquoi ? Parce qu'on a un horizon assez important, d'accord, de manière globale. Et donc, plus on a de temps pour investir, plus c'est pertinent, finalement, d'investir sur l'investissement socialement responsable, qui, finalement, je dirais favorable, d'accord, pour l'avenir. Donc c'est le fait que ce soit un investissement de long terme qui fait que c'est encore plus pertinent d'aller sur de l'investissement socialement responsable. Effectivement, puisque lorsqu'on investit aujourd'hui, parfois on va avoir des effets qui vont se générer un peu plus tard. Et d'accord. Plus on a de temps devant soi, plus les effets ont de chances finalement de se réaliser. Et alors, on peut peut-être rapidement redéfinir, si on retourne dans les définitions pour bien comprendre pourquoi l'épargne de temps long, finalement, fait plus de sens, selon vous, sur de l'investissement socialement responsable. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts. D'accord. Vous savez très bien que lorsqu'on investit, ça génère normalement des intérêts. Bien sûr, c'est le principe. Et ces intérêts se recapitalisent. Et d'accord. Donc, plus on a de temps, plus la recapitalisation des intérêts va être importante. Mmh. Voilà. Et pareil, lorsqu'on investit sur du socialement responsable, on a des entreprises qui prennent des décisions sur comment réduire ses émissions carbone. D'accord. Ça, c'est un plan qui va se faire dans le temps. Bien donc, sûr, ouais. Avec des effets qui vont finalement se réaliser là aussi dans les années. C'est ça. Là, vous touchez effectivement un vrai point. C'est quand on dit « j'investis en ISR », c'est bien. Concrètement, ça veut dire « j'investis via un fonds qui, lui, investit dans des sociétés qui ont pris des engagements sur le fait de réduire leur impact ou de réduire leur consommation de gaz à effet de serre, enfin, ou leur production de gaz à effet de serre. Donc là, en fait, c'est des engagements qui sont pris aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément réalisés. Et donc là, on va investir dans des entreprises dont les engagements seront potentiellement réalisés plus tard dans le temps, d'où l'idée de faire d'avoir cette épargne de long terme, c'est ça ? Exactement. L'investissement socialement responsable, c'est simplement concilier donc un investissement pérenne, un investissement classique tel que l'on connaît, en prenant en compte des critères extra-financiers. D'accord. Donc les critères extra-financiers, c'est l'ESG. Bien sûr. Environnemental, oui. Sociétal et de gouvernance. Et en fait, lorsque vous investissez dans un fonds
qui est labellisé ou pas, la société de gestion, en fait, elle a son principe interne de sélection des fonds. Mmh. D'accord ? Et donc, elle va analyser... Qui est propre à chaque société, pour le coup. Alors, la plupart des sociétés de gestion, oui, effectivement, font des sélections qu'on appelle propriétaires. D'accord. Qui leur sont propres. Ils ont leur propre méthode de sélection. Exactement. D'accord. Donc, ils analysent la société dans son secteur d'activité. Et en plus, ils vont analyser effectivement d'autres secteurs. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail ? Comment se comporte effectivement la gouvernance ? Mm-hmm. Et puis effectivement, est-ce qu'elle a prévu un plan pour réduire son impact négatif sur la planète ? Oui. Voilà. Et donc tous ces critères-là, finalement, créent l'investissement socialement responsable. Donc lorsqu'on investit sur un fonds, à ISR, labellisé ou pas d'ailleurs, effectivement, on investit pour l'avenir. On investit sur une entreprise, donc on reste sur un investissement classique, mais une entreprise qui a bien conscience, effectivement, que sa production peut-être génère du gaz à effet de serre ou génère des impacts négatifs pour la planète. Bien sûr, avec cette idée de normalement rectifier le tir à horizon plus ou moins long, si à partir du moment où il y a eu un constat qui a été fait de l'entreprise, puisqu'elle a remonté ses données de performance extra-financière avec cette volonté, je dis normalement parce qu'après, bon, c'est pas le débat aujourd'hui, mais il y a tout un débat sur le greenwashing ou autre. Concrètement, aujourd'hui, quand on veut faire des versements sur son PER, donc c'est avant tout un sujet où on pense à soi, on pense à sa retraite, on pense à son avenir, on pense à combien je vais avoir comme versement le jour où je n'aurai plus d'activité principale. Le sujet des retraites, c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Est-ce que les gens viennent vous voir ou de manière générale se disent il est important d'intégrer cette notion ISR dans le PER ou c'est pas forcément là qu'on pense à mettre de l'ISR en premier ? Alors, déjà, moi, je suis content que des personnes m'approchent pour préparer leur retraite. D'accord. Moi, ça fait 10 ans que j'essaye effectivement de les inciter et le discours n'était pas toujours entendu. On était plus sur une politique de l'autruche et je peux comprendre et je respectais complètement cette situation. Donc déjà, premier point, je suis content que les gens s'intéressent effectivement à ce sujet important. C'est 33% de notre vie, c'est 100% de temps libre et c'est en général 50% de revenus en moins, schématiser. Ouais. Et donc, effectivement, on pense à soi. On n'est plus sur un régime de retraite par répartition, on est par capitalisation. Mmh. Et bien justement, on peut penser à soi en pensant aux autres, en pensant à la planète. Et donc, l'ISR, pour moi, a tout sa place dans justement cette préparation de la retraite. Et c'est à nous, conseillers financiers, de les conseiller, en tout cas décrypter effectivement ce qu'il est possible de faire. Mais alors, les gens qui veulent préparer leur retraite, les épargnants, aujourd'hui, viennent vous voir en disant « il faut qu'il y ait l'ISR dans mon PER » ou à l'inverse, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle ils pensent ou peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas qu'on peut faire de l'ISR sur un PER. Oui, je dirais que l'ISR, effectivement, tout le monde l'a plus ou moins entendu. Je me mets à la place du public. Mais concrètement, ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond. D'accord. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de comprendre réellement dans quoi on investit quand on fait de l'ISR. Exactement. Ils se disent, je vais investir dans de l'eau, mais est-ce que l'eau, ça rapporte finalement ? Je vais investir dans du social, mais est-ce que ça rapporte finalement ? Est-ce que c'est le meilleur placement pour ma retraite ? Voilà. Donc, à nous, de décrypter effectivement la réalité de la chose. Et alors, quand on veut être un peu plus proactif, quand on est un peu plus au fait de ces sujets, qu'on y croit à l'ISR et qu'on a envie d'investir en ISR via son PER toujours, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut choisir soi-même les entreprises ? On peut dire « je veux tel ou tel fonds ?» On peut dire « vous prenez que des fonds labellisés, par exemple ?» Alors, moi, je veux dire déjà qu'il faut prendre la main sur ce sujet. Et pas que sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PER, d'origine, lorsqu'on choisit un PER, on est normalement sur une gestion pilotée. Oui. Qui est bien en soi, puisque ça permet effectivement de préparer sa retraite. On investit sur... Alors juste, pardon, gestion pilotée, le principe, c'est que ce n'est pas vous qui gérez, c'est que c'est un professionnel qui gère pour vous. Voilà, c'est un professionnel qui gère pour vous. Il a un horizon de temps, puisqu'il sait que votre retraite, l'âge légal, est de temps. Et en fonction de ça, effectivement, il va se permettre de prendre un peu plus de risques au départ. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche du terme, il va sécuriser petit à petit. Et alors vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre la main. Je préfère, moi, qu'on prenne la main. Donc on ne fait pas de gestion pilotée. Disons qu'il faut faire du cas par cas. D'accord. Moi, c'est mon rôle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client, je lui dis ce qu'il est possible de faire, mais je fais attention, effectivement, à sa situation. Et donc, quelqu'un qui veut vraiment faire de l'ISR, il va falloir qu'il prenne la main et qu'il refuse cette gestion pilotée et qu'il fasse plutôt de la gestion libre. C'est-à-dire qu'il sélectionne lui-même les supports D'accord. qui correspondent le mieux à ses attentes ou à ses convictions. Donc ça veut dire sélectionner les fonds, là, pour le Exactement. Coup. Exactement. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, sur un PER,
On va dire que si on prend tous les PER du marché, 52% de l'offre des unités de compte sont ISR, ou en tout cas ont un caractère de développement durable. Et alors, comment on choisit quand on prend la main dans les différents fonds, entre les différents fonds ISR sur lesquels on va investir? On cède quoi de label d'État? On cède de ses propres convictions? Comment on fait? C'est un package. C'est un package. Je pense que pour moi, les convictions sont les plus importantes, même s'il faut vraiment vérifier que nos convictions correspondent à l'idée qu'on en a. Mmh. Parfois, effectivement, il y a un décalage. Il faut céder des labels qui ont été créés. Donc, il y a le label ISR qui date de 2016. Il y a le label Greenfin qui date de 2015. Et puis, en fonction de ça, bah, effectivement, vérifier. Est-ce qu'on est sur de la thématique? Est-ce qu'il y a une thématique qui nous est chère? Est-ce qu'on veut être dans l'exclusion? Par exemple, je ne veux surtout pas de jeux, je ne veux surtout pas de tabac. Donc voilà, on a des exclusions de cet ordre-là. On peut exclure par secteur. On n'exclut pas des sociétés, mais on peut exclure par secteur, effectivement. On peut exclure des secteurs, mais on peut exclure aussi des sociétés dans un secteur. En tant qu'épargnant, on peut dire je ne veux pas de telle société, alors, par exemple. En tant qu'épargnant, on peut voir ce que proposent les choses. D'accord, mais on ne peut pas le faire directement. Il y a des sociétés de gestion qui font ce qu'on appelle une sélection. Alors j'emploie des termes anglo-saxons, best in class ou best in universe. D'accord. Donc, best in class, elles vont prendre les meilleures sociétés dans un secteur d'activité qui ont justement une approche ISR beaucoup plus aboutie que les autres. D'accord. Et best in universe, et là, on va prendre les meilleures sociétés, peu importe le secteur d'activité. Eh bien, on finira là-dessus, Clément Blériot, merci d'être venu nous donner quelques pistes pour investir sur son PER avec un prisme ISR. Clément Blériot, je rappelle que vous êtes le fondateur et le gérant de 1909 Gestion Privée. Merci à vous également, et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine avec un sujet qui concerne de très près vos finances personnelles et qui mêle actualité économique, mais aussi actualité financière ou encore actualité politique avec des dissensions en France, mais aussi au niveau européen. Nous allons vous parler de la hausse du prix ou des prix de l'énergie. On fait le point avec un seul objectif, celui de faire le plus de pédagogie possible dans un temps limité en compagnie d'Alexandre Andlauer, analyste financier chez Kepler. Kepler qui est une société de data intelligence qui développe des solutions de transparence des matières premières. C'est bien résumé, Alexandre Andlauer. Exactement, c'est très bien. Bon, bah, vous allez du coup pouvoir faire preuve de transparence sur la hausse des prix de l'énergie avec nous dans un instant. Et nous en parlons également avec Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance. Allure Finance qui est un cabinet en gestion de patrimoine. Bonjour Jean-François Flitty. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va commencer peut-être avec vous, Alexandre Andlauer. Aujourd'hui, on est dans une situation où, bon, on peut le dire, le prix du gaz, dans un premier temps, s'envole littéralement. Ça devrait être suivi d'une même tendance dans ce qui concerne l'électricité début 2022 pour en tout cas ce qu'on paiera nous en tant que particuliers, même si on sent une volonté du gouvernement de cantonner le phénomène. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir à l'origine pour bien comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui concrètement quand on allume notre lumière ou quand on allume notre chauffe-eau? Ça vient d'où tout ça au départ, Alexandre Andlauer? Alors en France, le schéma sur l'énergie est un peu différent de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. D'accord. On a quand même le nucléaire qui vient principalement alimenter l'électricité, mais on a encore une part de gaz qui, pour le coup, elle est totalement importée. Mm-hmm. Très, très peu de production gazière en France. 99% de notre consommation est importée. Bien sûr. Et en l'occurrence, de la Norvège et de la Russie. Et c'est d'accord. Là, effectivement, qu'on peut avoir des répercussions sur les prix qui se sont littéralement envolés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu des niveaux actuels. On est sur un équivalent, si on a parlé en baril, bien sûr, qui parle peut-être un peu plus, à 300 dollars. Hier, pendant la séance, en équivalent de barils pour le gaz. Parce qu'en fait, on rappelle qu'il y a le gaz chez nous, qui n'est pas la même chose que le gaz naturel. Et là, on parle d'importation de gaz naturel qui vient de Russie ou de Norvège. Mais alors, pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul, la Russie et la Norvège se mettent à produire du gaz et à le vendre beaucoup plus cher? C'est que tout le monde en veut, en fait. C'est qu'il y a eu un arrêt de l'économie mondiale pendant une durée donnée, que toutes les économies sont reparties en même temps et que du coup, là, il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. En fait, c'est juste ça, c'est juste une histoire d'offre et de demande, ou c'est un peu plus complexe que ça? C'est toujours un mix, évidemment, c'est toujours une question d'offre et de demande. Il y a de la politique aussi derrière, de la géopolitique. On est sur les matières premières. Alors, ce qui se passe sur le gaz est totalement différent de ce qui peut se passer sur le pétrole. Mais globalement, d'accord, effectivement, ce qui s'est passé sur le gaz, c'est qu'on a des stocks beaucoup plus bas que ce qu'on a eu historiquement. Pourquoi? Parce qu'on a eu des hivers très froids, mm-hmm, une sensibilité très forte sur le gaz par rapport à la météo. Donc les hivers derniers étaient plutôt froids. Le gaz peut être remplacé des fois par du charbon. Oui. Le charbon, la production a beaucoup chuté
En Chine, on a eu moins de production de gaz en mer du Nord parce qu'il y a eu beaucoup de maintenances qui n'ont pas été faites l'année précédente à cause du Covid. Donc tout mis ensemble, on a eu plus de demandes effectivement liées à la reprise économique et en face, moins d'offres liées à des questions de météo, de problèmes en Chine, de sécheresse aussi au Brésil parce qu'on utilise un peu moins d'hydro. Donc finalement, la Norvège et la Russie, ils vendent au prix du marché. Alors la Russie, pour l'instant, ne met pas tout le gaz qu'il pourrait mettre en Europe pour essayer d'accélérer l'approbation du projet Nord Stream. Mais ça ne changerait pas la donne parce qu'on est quand même très bas au niveau des stocks. Alors, le projet Nord Stream, on peut peut-être rapidement rappeler pour les gens qui nous écoutent pour comprendre pourquoi la géopolitique a un impact sur le prix du gaz que j'utilise quand je suis chez moi. Bah, c'est tout simplement ramener un autre moyen de ramener du gaz en Europe en évitant les pays, des pays avec qui la Russie est en conflit. Mais votre question est bonne parce qu'en fait, quelque part, c'est juste un autre moyen de ramener du gaz. Ce n'est pas un nouveau champ gazier, donc ce n'est pas une production supplémentaire. Et c'est là où est la subtilité parce que effectivement, ils disent avec Nord Stream 2, on pourrait rajouter plus de gaz. C'est pas vrai. C'est juste qu'on aurait un autre moyen de rapporter du gaz. On a un autre chemin, effectivement. un autre chemin. Donc, en fait, si on comprend bien, il y a un peu tout. Il y a l'offre et la demande. Il y a des questions géopolitiques. Alors, il y a aussi cette notion, vous avez dit, on pourrait remplacer par du charbon. Mais aujourd'hui, le charbon a suffisamment mauvaise presse dans cette notion de transition énergétique pour qu'on n'ait pas envie de le faire. Et vous avez dit, aujourd'hui, ils vendent au prix du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter que l'énergie est plus chère? Bien sûr. Il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, le charbon, évidemment, c'est la dernière ressource qu'on veut utiliser. Mais si le prix du charbon est à un moment moins cher que le prix du gaz, il ne faut pas se faire d'illusions. Les acteurs vont passer au charbon. C'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit évidemment en Chine, même s'il y a de gros problèmes de pollution. Mais la courroie de transmission entre le gaz, charbon et les énergies renouvelables, elle est relativement simple dans la génération d'électricité. Donc c'est un peu... C'est un peu la problématique de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on a arrêté des investissements dans le pétrole et dans le gaz. Mmh. Et on se retrouve dans une situation où finalement on doit utiliser plus de charbon que ce qu'on pensait parce qu'on n'a pas assez de gaz qui pour le coup est deux fois moins polluant. Mais donc ça veut dire, bon ça j'imagine que c'est temporaire, mais est-ce que ça veut dire que demain du coup des énergies plus propres seront des énergies plus chères? Je pense que la crise énergétique va accélérer la transition qu'on a prévu ces prochaines années, bien sûr, et rendre du coup plus compétitif à terme les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, d'accord, c'est sans commune mesure, quoi qu'il arrive. Et le problème des énergies renouvelables, c'est effectivement, il faut du vent, il faut du soleil, on ne peut pas vraiment stocker l'énergie. Donc, en termes de visibilité, c'est relativement limité. Là où le gaz, on peut quand même à minima le stocker. Bon, alors je le disais, il y a aussi des enjeux politiques. On verra dans un instant avec vous, Jean-François Fitti, comment vous voyez tout ça d'un point de vue gestion de patrimoine. Juste avant, donc, bon, il y a l'élection présidentielle en France. Donc, tout le monde a un petit peu son avis sur la question. C'est normal. Ça ne concerne pas que la hausse des prix de l'énergie. Il n'empêche que du coup, le gouvernement essaye de limiter au maximum l'impact sur les particuliers de cette hausse. Là, je parle du gaz essentiellement, mais il y a également de l'électricité. Plus 12% en octobre, et c'est censé s'arrêter là. Ouais. Jusqu'à au moins, enfin, un blocage du prix du gaz jusqu'à avril. Avril, effectivement, c'est les élections présidentielles, mais c'est aussi, l'élection présidentielle, mais c'est aussi normalement le printemps, là où on utiliserait un petit peu moins de gaz pour se chauffer, et on imagine qu'il y aura un filage qui sera fait. Bon, je rappelle, politiquement, à chaque fois qu'on a voulu bloquer les prix de l'énergie, on s'est trouvé à les payer en rattrapage plus tard. Le Conseil d'État n'a jamais validé. Bien sûr. Alors, déjà, coup de bol que les élections soient au printemps, parce qu'effectivement, la demande de gaz est beaucoup moins forte. D'ailleurs, les prix du gaz à cette période-là, si on veut acheter aujourd'hui du gaz au mois d'avril, c'est quand même trois fois moins cher que ce qu'on paye en hiver. D'accord. Si on prend des positions... Si on prend des positions aujourd'hui. Effectivement, j'entendais hier, je crois, Macron dire qu'il faut de l'indépendance énergétique. Ben, ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies qu'on en parle, mais à chaque crise, effectivement, on se rend compte, finalement, on n'a pas envie d'être dépendant d'autres pays. Donc, ce qui est assez paradoxal dans le sujet qu'on évoque aujourd'hui, c'est qu'on va finalement, quelque part, un peu subventionner aussi des énergies fossiles. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on va diminuer le prix, que ce soit le gaz ou potentiellement, on n'a pas parlé du pétrole, mais c'est un autre sujet. Bien sûr, qui va beaucoup monter au prix à la pompe, alors qu'on veut tous aller sur la transition énergétique. Donc oui, ils vont le faire parce qu'il y a des élections.
Après, je suis pas... Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, en cantonnant le prix, c'est qu'on en vient à finalement rendre des énergies fossiles moins chères pour éviter cette flambée des prix de l'énergie. Et ça ne vient pas casser la demande. Ça ne vient pas casser la demande. Il faudrait casser la demande pour que le prix, de façon économique, tombe. Là, on la subventionne. Donc ça ne règle pas le problème. Et alors, est-ce que le nucléaire, ce ne serait pas régler le problème? C'est ce pourquoi se bat Bruno Le Maire aujourd'hui au niveau européen? Sur l'électricité, oui. Alors, je ne suis pas un spécialiste sur le nucléaire, mais sur l'électricité et par rapport à d'autres pays, parce qu'en France, le prix du gaz, on va pouvoir faire quelque chose. En Italie, en Espagne, en Angleterre, ce n'est pas la même chose. Hein. Tout le monde est exposé au prix du gaz. Ce n'est pas le cas en France. Et alors, dernière question avant de parler un petit peu effectivement de l'impact que ça peut avoir sur les entreprises ou les particuliers. Est-ce que c'est un sujet qui doit être traité au niveau français ou au niveau européen? Parce que là, on en parle au niveau franco-français, effectivement, mais est-ce que ça doit être traité de manière française ou de manière générale au niveau européen? Je pense que ça doit être traité de manière européenne. D'accord. Les enjeux sont bien trop grands. On n'a pas la capacité seule de faire face à tout ça. On a quand même des mastodontes en face, la Russie. Les États-Unis, la Chine. Bien sûr, oui. Et puis la Russie qui produit pour le coup le gaz. Donc. Produit, bah, tout comme les États-Unis, tout comme le charbon pour la Chine. Mais non, il faut une réponse commune des pays européens, bien sûr. Jean-François Fitti, vous avez pu écouter cet exposé qu'on a voulu très restreint sur cette première partie. Vous suivez ça de très près, effectivement, pour vos clients et dans cette actualité économique. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette situation si particulière en ce moment? Alors, le phénomène est à la fois simple et complexe à décrire, parce que l'inflation est un phénomène de hausse généralisée des prix, liés notamment à des anticipations et à la fixation des prix. Cette fixation des prix, c'est à la fois l'offre et la demande. Mm-hmm. L'énergie, l'évolution des prix de l'énergie actuelle, la flambée des prix de l'énergie, est une des composantes importantes, très importantes, de l'inflation. On l'a vu récemment, le pétrole est passé en moins de 2 ans de $20 à $80 le baril. L'électricité a été multipliée par plus de 4. Et le reste des énergies également. C'est parce qu'effectivement, je faisais quand on en discutait avec Alexandre Andlauer, je faisais un parallèle entre le gaz naturel et le gaz que j'utilise chez moi. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi des prix qui sont répercutés sur les entreprises. Et donc, ça fait mécaniquement monter les prix de tout ce que vous achetez, en fait. Exactement. En fait, les entreprises sont dans un dilemme pour préserver leur marge, de soit d'augmenter leur prix, soit de trouver d'autres économies par ailleurs. Mais si elles augmentent leur prix, cela génère, pour préserver leur marge, cela génère une augmentation, entre guillemets, de l'offre des prix des biens et des services. Bien sûr, oui. De l'autre côté, les consommateurs qui, eux, doivent se les procurer, eh bien... Baisse du pouvoir d'achat, du coup. Une baisse de pouvoir d'achat, effectivement. Et puis, il va y avoir, effectivement, ce qu'on appelle un risque de second tour, c'est-à-dire une demande d'augmentation des salaires, bien sûr. Alors, et donc là, cette fameuse inflation salariale. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'inflation qui s'auto-entretient, bien sûr. Alors, il n'y a pas que l'énergie. En fait, on le voit également avec la suite du Covid. C'est-à-dire qu'il y a une reprise économique, il y a une reprise de la demande qui est liée à plusieurs choses. En fait, le premier phénomène, c'est qu'il y a eu une épargne accumulée très importante. Le deuxième phénomène, c'est que les États, les banques centrales ont mis énormément de liquidités sur le marché pour justement faire repartir la demande. Et ces hausses de prix de l'énergie et cette inflation qui en résulte, ça peut être de nature à faire changer de braquet une banque centrale ou de continuer à soutenir un peu plus longtemps, par exemple, faire en sorte que la BCE continue à soutenir l'économie un peu plus longtemps, selon vous? Alors, c'est une très bonne question parce que ils sont dans une problématique de préserver des taux bas qui sont nécessaires pour qu'il n'y ait pas une flambée des intérêts à payer, des intérêts générés par les dettes, puisque tous les États aujourd'hui, les États occidentaux sont
sont très endettés. Donc il faut préserver, entre guillemets, le pouvoir payer les intérêts de la dette. Et puis de l'autre côté, la montée de l'inflation, on le voit, hein, pour donner quelques chiffres. En France, aujourd'hui, nous sommes sur une inflation annuelle autour de 3% sur l'année. En Europe, de près de 3,5%. Aux États-Unis, on a dépassé les 4%. Bien sûr. Et ouais. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est conjoncturel et c'est lié à tous ces phénomènes post-Covid, à l'augmentation de l'énergie, aux liquidités qui sont sur le marché et aux politiques monétaires et budgétaires ultra accommodantes. Hein, on n'y a jamais eu autant de liquidités sur le marché. Mais ça va générer d'autres problèmes. D'accord. Et c'est ça que, c'est pas fini. ça va générer d'autres problèmes à la fois sur les entreprises et sur les consommateurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les épargnants? Alors, quoi faire? Ouais. Donc, on va se focaliser, comme on a peu de temps, on va essayer de se focaliser sur les consommateurs, sur les épargnants. Sur les particuliers, oui. Sur les particuliers. Le particulier, aujourd'hui, l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est l'érosion du pouvoir d'achat. Mm-hmm. Donc, pour préserver son pouvoir d'achat, pour le préserver, et surtout pour préserver son épargne, que faire? Donc, déjà, il doit investir. Il doit investir et il ne doit pas laisser son épargne ne rien faire, car sinon elle va fondre comme neige au soleil. D'accord. Ouais. Donc parce que l'inflation, c'est tout simplement une baisse de l'épargne. Oui, c'est-à-dire que si on a, c'est un sujet qui est régulièrement sur le livret A, si jamais c'est rémunéré à 1 et que l'inflation fait 2, mécaniquement on perd de l'argent. Exactement. Et comme aujourd'hui on est plus sur une inflation à 3 et à des taux sur le monétaire, sur les livrets A, sur les fonds euros d'assurance vie qui constituent une grosse partie des liquidités françaises en dessous de 1%, ça veut dire qu'il y a une véritable érosion de l'épargne. Et cette érosion, qui est aujourd'hui conjoncturelle et qui risque de devenir structurelle, va induire d'autres problématiques vraiment, vraiment significatives. Et nous, chez Allure Finance, ce qu'on pense, c'est qu'il faut, un, profiter des taux bas aujourd'hui pour s'endetter long et à taux fixe. D'accord. De investir sur des actifs qui vont générer des dividendes comme le marché action, puisque d'accord, lorsqu'il y a un peu d'inflation, les sociétés qui ont ce qu'on appelle un power pricing, qui ont la possibilité d'impacter, de répercuter les prix sur leur offre, vont se développer. D'accord. Et donc là encore, c'est un bon moyen de préserver son épargne. Et puis le private equity, les produits structurés, les solutions structurées, tout cela et ce que font les épargnants, les entreprises peuvent le faire également. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que inflation à 3%, il faut pas aller chercher un rendement en dessous de 3% par exemple, il faut forcément aller chercher au-dessus, mais avec le risque qui est associé forcément. Vous avez très bien résumé la situation, c'est-à-dire que l'épargne sans risque, c'est terminé. D'accord. Aujourd'hui, chez Allure Finance, ce que nous pensons, c'est que nous allons être dans une période où nous allons être obligés d'aller chercher un risque calculé, bien entendu, évidemment, bien sûr, en fonction du profil de l'épargnant et de la société, parce que le nombre de sociétés qui ont des excès de liquidités, ces excès de liquidités également doivent servir soit à l'investissement, les sociétés doivent s'endetter, les sociétés doivent se restructurer, pour justement pouvoir pallier ces problématiques d'inflation qui risquent d'avoir ce qu'on appelle un effet second tour. Et donc il y a des vraies mesures à prendre, il faut être conseillé et conseillé dans la durée. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à cet exercice de pédagogie dans un temps très court. Alexandre Handlauer, analyste financier chez Kepler, et Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance. On aurait pu en parler pendant des heures, mais merci d'avoir donné l'essentiel aujourd'hui. C'est la fin d'Enjeu Patrimoine, et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie qui va vous faire revivre le salon Patrimonia avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournées sur place par Club Patrimoine. Au programme, Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, se pose la question de la Chine, un géant dans la tourmente. C'est la problématique qui sera abordée avec Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan, une question qui sera posée également avec deux CGP, Thomas Dauteville, gérant de la financière Dauteville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez. Ce sera ensuite au tour de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, de se poser la question des atouts de l'assurance-vie luxembourgeoise, une question qu'elle posera à David Liebmann, directeur de la distribution et de l'innovation, mais aussi responsable du marché français chez Lombard International Assurance.
Et puis, on retrouvera Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, donc pour une émission sur les sociétés de gestion. Pourquoi se rapprochent-elles? Il en parlera avec Fabien Bismuth, président de Mescart Hamilton AM, et Dan Sayag, directeur général de Mescart Hamilton AM. On se retrouve tout de suite. La Chine, un sujet qui est cher à Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan. Il en parle avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, mais aussi avec Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez. On regarde tout de suite la Chine, un géant dans la tourmente. Bonjour, cap sur la Chine, un marché qui pose actuellement pas mal de soucis aux investisseurs. Alors à juste titre, nous allons voir cela tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Stéphane Vontron. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci, vous? Alors, comme nous sommes dans le cadre d'une table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir aussi autour de cette table Monsieur Daudeville, vous allez bonjour, bien Morgan. Thomas, et Patrick Ganancia. Bonjour. Merci à vous deux, vous êtes CGP et j'ai le grand plaisir de vous avoir avec moi. Donc on va vous poser plein de questions, Stéphane. Je vous poserai la première, elle est déjà quasiment dans le titre. Est-ce qu'il y a un vrai souci avec la Chine aujourd'hui? Le souci, on en a eu quand même, effectivement, ces dernières semaines. On ne va pas dire le contraire, parce que les performances ont été beaucoup plus compliquées. Après avoir été excellentes ces dernières années, il faut le rappeler. Mais néanmoins, les soubresauts, pour dire le moins, réglementaires, couplés au stress qu'on a pu avoir sur la dette, et notamment sur celle d'Evergrande, qui est la foncière qui est la plus grosse dette dans le monde, ont participé à brouiller le message sur la Chine et à, quelque part, à faire s'éloigner le côté opportunité que représente la Chine et faire valoir plutôt les risques qui sont devenus assez saillants. Et donc, dans ce contexte, bien évidemment, les performances ont été plus compliquées. Et ce qui fait le différentiel de flux, à savoir les capitaux occidentaux, se sont désengagés en matérialisant des gains substantiels la plupart du temps, parce que ce sont des positions qui étaient détenues depuis au moins 2020. Mais néanmoins, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Et donc, aujourd'hui, il y a un très gros point d'interrogation sur la Chine qu'on perçoit de la part de nos investisseurs ici en Occident, mais qui vient peut-être aussi d'une méconnaissance du cas due au fait que ça soit assez lointain et perçu de façon émotionnelle parce que précisément, peut-être pas très bien intégré. Alors, peut-être Stéphane, pour rebondir sur ça, est-ce que tu peux nous dire, expliquer un peu mieux pourquoi le gouvernement chinois tape finalement secteur par secteur? Il a fait l'éducation, il a fait Alibaba, Tencent, puis maintenant l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il tape comme ça aussi violemment sur les gros leaders chinois? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Dans le cas, il y a un tronc commun qui est lié notamment à l'éducation et également à l'immobilier. C'est le fait de défendre le pouvoir d'achat des ménages. C'est vraiment une volonté très forte de Pékin. C'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat des ménages se développe graduellement et continue à promouvoir, à offrir de la croissance, puisque le modèle chinois se recentre sur sa propre consommation qui devient centrale, comme à l'image de ce que font les pays occidentaux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que la spéculation immobilière, l'augmentation du prix de l'immobilier et l'augmentation du coût de l'éducation, et l'absence de contrôle aussi, il faut dire ce qui est, étaient des enjeux très forts pour Pékin et un stress très fort. Donc, il y a une envie de reprise de contrôle et de limitation du coût qui était quand même dans les deux cas. Mais un Alibaba, ce n'est pas une question de coût pour les consommateurs. Un Alibaba, c'est très différent. Un Alibaba, c'est quelque part le même sujet que ce qu'on a sur les marchés occidentaux. Ça participe d'un stress qui est lié à avoir des leaders qui soient trop gros pour être régulés. Et d'accord. Donc, ça correspond à une perte de contrôle de la part de l'État central. Et je ne t'apprends rien, c'est quelque chose que les autorités chinoises apprécient peu. Donc là, il y a de ce point de vue-là, quelque part, une relation assez dual de la part des autorités chinoises qui, d'un côté, veulent promouvoir leurs champions pour qu'ils soient ceux de la zone RCEP, donc pour l'ensemble de l'Asie, et qu'ils aient cette zone de chalandise absolument extraordinaire qui va représenter plus d'un consommateur sur deux à horizon de 10 ans. Et en revanche, à côté de ça, ils veulent pouvoir continuer à contrôler et ne pas se retrouver dans le contexte que connaissent les Américains, notamment avec des autorités fédérales qui sont dans l'incapacité de réguler leurs leaders. D'accord. Thomas. Alors Stéphane, comment est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui nos clients finaux qui sont déjà investis sur la Chine et qui, comme nous, finalement, se posent les mêmes questions et aimeraient être rassurés? Il y a plusieurs éléments qui sont très à la faveur du marché chinois. Tout d'abord, sa valorisation. Ça paraît, c'est une évidence, mais étant donné la baisse que l'on vient de connaître, la valorisation du marché chinois, et en particulier du marché chinois onshore, continental, est très attractive. Ça se paye 13 fois et demi les résultats, contre plus de 17 fois en Europe et 22 fois aux États-Unis. Donc déjà, il y a une attractivité prix qui est évidente. Ensuite, la perspective de croissance. On est dans un marché, dans un raisonnement aujourd'hui qui reste très court terme.
Et donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde se dit pourquoi aller prendre le risque Chine à un moment où les marchés développés offrent la même croissance. Mais ça, c'est un réflexe très calendaire. À partir de l'an prochain, le différentiel de croissance sera de nouveau très à la faveur de la Chine par rapport à l'ensemble du monde développé. Et donc, ça devrait quelque part remettre un peu le clocher de l'église au milieu du village en termes de perspective, de se dire, bon, où est-ce qu'il y a une zone où les actifs sont relativement peu chers, où les mesures de soutien de l'économie, que ce soit d'un point de vue budgétaire ou monétaire, sont très orthodoxes, les valorisations correctes, les perspectives long terme solides, c'est la Chine. Donc, dès lors que la poussière sera un peu retombée par rapport aux événements récents qu'on vient de connaître, très clairement, les comités d'allocation reviendront sur ces thèmes qui continuent aussi à peser de plus en plus lourd dans les indices mondiaux, et ça, ça va continuer à être le cas, ça va faire un vent arrière considérable, et qui bénéficie directement du développement de l'épargne chinoise. Là aussi, on a un moteur très important de ce point de vue-là. Donc, on a un alignement quelque part assez fort. Je n'aime pas trop ce concept d'alignement de planète, mais néanmoins, la Chine coche énormément de cases d'un point de vue investissement. Et alors concrètement, ça veut dire en termes de titres, c'est quoi vos deux ou trois principales convictions aujourd'hui ou les plus fortes pondérations du fonds ? Alors, généralement, nous, on essaye de construire le portefeuille, nos fonds chinois, China Asia Opportunities en tête, construisent leur position sur trois thèmes qui ont notre préférence. Le développement de la consommation domestique, en règle générale. La digitalisation de l'économie qui peut se jouer soit via du cloud ou des acteurs purement tech avec du software, mais également avec quelque part un aspect plus cyclique comme les semi-conducteurs qui ont très bien fonctionné cette année. Et puis enfin, la santé. Donc ce sont les trois grands thèmes qu'on peut retrouver. Alors dans le cas de la santé, par exemple, on a un titre qui s'appelle Shenzhen Mindray, qui est un équipementier en fait qui fait du monitoring. Je trouve que c'est un exemple très parlant, parce que ça fait du suivi des patients, respiration artificielle, malheureusement c'est un élément d'actualité. Tu peux imaginer qu'il y a eu une croissance très forte sur le sujet, c'est 30% de croissance l'an dernier, c'est 25% de croissance trimestrielle sur le dernier trimestre, et c'est moins 10% depuis le début de l'année. Ce type de titre, on en trouve énormément sur le marché chinois, comme sur CATL par exemple, qui est un des leaders de la batterie au lithium, sur les valeurs technologiques, ou sur Tingwei, qui est un acteur très fort, ça fait toujours sourire, sur la nourriture animale. Stéphane, avec le développement du lifestyle en Chine, Stéphane, c'est un titre très intéressant. Vous en parlez très bien, j'avoue. Mais vous avez évoqué Evergrande. Est-ce que on oublie cette histoire ? Est-ce que c'est passé ou le risque est réel encore ? Alors, et que disent vos gérants là-dessus ? Alors, le risque systémique, de notre point de vue, est à écarter. En revanche, ça sera un feuilleton avec de très nombreux épisodes. Pourquoi ? Parce que, de manière éditoriale, les autorités chinoises ne peuvent pas soutenir Evergrande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un paye s'ils ne veulent pas que le phénomène se reproduise à l'infini. Et donc, comme quelque part, Evergrande, c'est la conséquence d'une politique qui a été mise en œuvre depuis déjà de nombreux mois pour limiter le levier sur l'immobilier, aujourd'hui, l'acteur le plus endetté en paye les pots cassés. Il faut que l'émetteur qui est Evergrande saute pour qu'il n'y ait pas, pour que ça ne crée pas un précédent. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les autorités chinoises auront à cœur, d'un point de vue local, donc on peut penser aux régions, de repackager les actifs, repackager la tête et faire en sorte qu'il n'y ait pas de propagation à l'ensemble de l'économie. Et ça, c'est sans doute ce qui va se faire de manière assez pragmatique dans les mois à venir. Mais il y aura des épisodes d'incertitude et donc de volatilité liés à ce titre, mais sans conséquences fondamentales d'un point de vue économique. Est-ce que vous adhérez au discours qui dit actuellement Tencent a perdu 50%, Alibaba a perdu 50%, c'est le moment d'y aller et d'acheter pas cher, ou c'est pas aussi simple que ça ? Si, alors de notre point de vue, ça reste des opportunités très fortes parce que le modèle, alors ça ne se limite pas à ces quelques acteurs qui aujourd'hui sont des leaders, mais les leaders de demain ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais néanmoins, c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé sur le marché chinois. Et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on peut aussi développer le sujet des executive orders aux États-Unis qui limitent l'accès aussi aux titres cotés ailleurs qu'en Chine sur des champions chinois. Ça aussi, ça limite aussi la performance et ça a troublé la lisibilité de ces acteurs. Je pense qu'effectivement, sur ces niveaux-là, on peut parler très clairement d'opportunités sur des leaders qui, sur leur zone de chalandise, se payent beaucoup moins cher que leurs homologues occidentaux pour le même business model. Thomas. Donc concrètement, aujourd'hui, pour nos clients qui ne sont peut-être pas encore investis sur cette zone, c'est finalement une bonne fenêtre d'opportunité alors ? À notre point de vue, c'est une bonne opportunité. Alors, quid du timing à très court terme ? Est-ce que la fenêtre qui est attractive aujourd'hui ne va pas le rester pendant quelques mois ? C'est pas impossible. Faut dire les choses clairement. En revanche, si on se projette sur un horizon patrimonial qui est celui qui t'intéresse le plus, je pense, très clairement, on pense que la Chine est une opportunité très forte structurellement et d'autant plus à ces prix-là.
Et alors aujourd'hui, quand on s'intéresse aux titres chinois, on a évoqué Alibaba ou Tencent. Lorsque vous achetez les valeurs, est-ce que vous les achetez sur la place de Hong Kong ou est-ce que vous préférez acheter les ADR qui sont finalement leur reflet sur les places américaines? Alors nous, on va essayer plutôt essentiellement d'aller sur les marchés physiques, donc pas d'ADR hein, globalement. Déjà parce que justement, il y a un environnement réglementaire que j'évoquais brièvement à l'instant qui est vraiment plutôt averse, hein, puisqu'il y a une limitation de plus en plus forte de l'investissement sur ces titres avec un contrôle de la part de Washington, pour le coup, hein, de ce qui est investissable ou pas. Et puis aussi, il faut être très clair, je pense qu'on le voit bien, hein, la direction donnée par Pékin, elle est assez autoritaire, bien sûr, et elle va dans son propre intérêt. Donc, quelque part, il vaut mieux être du bon côté de la balle de ce point de vue-là, du bon côté du choc réglementaire. Et donc, le bon côté, c'est le côté chinois. Et donc, aligné, bah, si on veut investir en Chine, c'est plutôt le côté chinois. On est d'accord. Et donc, de ce point de vue-là, on privilégiera Hong Kong, mais surtout, aussi et surtout, Shenzhen ou Shanghai. Hein, donc, le marché A, notamment, côté en renminbi, ou là sur lequel c'est là que se déverse leur épargne locale. Et donc, très clairement, s'ils doivent sacrifier quelqu'un, ce ne seront pas leurs investisseurs particuliers locaux. Donc, plus c'est exotique, plus il faut regarder avec circonspection, plus c'est local et domestique. D'accord. Et sur renminbi que tu évoques justement, est-ce que vous avez toujours un avis sur l'appréciation de cette monnaie par rapport aux autres monnaies et donc une évolution favorable des titres sur cette partie-là? Il nous paraîtrait, alors ce soit de notre point de vue marginal par rapport au reste de la performance, mais ça devrait plutôt... Mais elle reste dans le bon sens pour nos clients investisseurs. Ça devrait être un contributeur parce que très clairement, il y a un différentiel de taux qui est toujours à la faveur de la Chine. Et bien ça s'est encore amplifié dernièrement avec le cas Evergrande. Et en plus, je dirais qu'au-delà de ça, la Chine, je l'évoquais tout à l'heure, a une orthodoxie monétaire beaucoup plus forte que le monde occidental. Si on couple ça à une normalisation du modèle de croissance, ce qui est logique, hein, puisque la Chine, étant de plus en plus développée, va avoir une croissance potentielle de plus en plus faible et donc une normalisation de ses taux à terme, eh bien, tout ça converge pour plaider pour l'appréciation du renminbi. Et du reste, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu trop de dumping de la part des autorités chinoises sur leur devise. C'est clair. Sur la partie devise, justement, dans vos fonds, notamment les fonds actions, vous êtes couvert sur la devise ou vous jouez la devise en parallèle de l'appréciation des actions? Justement, comme on considère que c'est un facteur qui doit être marginal à terme, hein, c'est-à-dire que quand on régresse la performance des actifs émergents, en règle générale, chinois en particulier, ce qui fait la performance court terme, c'est l'évolution du multiple et la devise. La performance long terme, c'est le dividende et la croissance bénéficiaire. Donc du coup, comme on est sur des horizons de placement longs sur nos fonds actions, on a pris la décision de ne pas couvrir. D'autant que, étant donné le différentiel de taux, le coût de la couverture est extrêmement élevé. Donc, il ne faut vraiment pas se gourer, parce que si on est dans le mauvais sens, ça coûte très très cher. Moi, j'avais une petite question sur les fonds asiatiques de ta maison de gestion. La Chine représente quel pourcentage aujourd'hui en moyenne sur les fonds asiatiques? Alors, sur les fonds Asie... Qui inclut la Chine, j'entends. Oui. Alors, soit on est sur un fonds Asie global, dans lequel il y a du Japon, et là, on sera plutôt sur des proportions autour de 40-50%. D'accord. Si c'est de l'Asie émergente, ça peut être 80%. Donc les poids sont extrêmement importants de ce point de vue-là parce que la Chine est très clairement prépondérante. Mais il ne faut pas oublier que malgré la baisse, la Chine, c'est en termes de capi, c'est plus de 15% du marché mondial aujourd'hui. Messieurs, l'heure tourne. Je voudrais juste vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous êtes sensible au marché chinois? Est-ce que vous investissez pour vos clients en fonds chinois? En ce qui nous concerne chez Erez, nous avons une partie en actions chinoises. On a 4 fonds, dont ceux de notre invité d'aujourd'hui, qui sont en position et on aime beaucoup ce. Enfin, on et qu'est-ce que vous dites à vos clients qui entendent parler? Comment? Et qu'est-ce que vous dites à vos clients actuellement qui entendent parler? En ce moment, nos clients, la seule question à se poser, c'est à quel point on repondère la zone. C'est la seule question qu'on se pose. Voilà. Donc ils sont c'est une très bonne réponse. Voilà. Ils sont déjà investis, ils ont fait une année 2020 exceptionnelle. En 2021, ça souffre. Et la question est de savoir si est-ce qu'on repositionne. On restera sur cette note très positive. Messieurs, en tout cas, grand merci à vous. Merci Bogdan. Voilà donc un résumé un petit peu de ce qui se passe actuellement en Chine et surtout de la vision des professionnels du secteur mais aussi des épargnants sur le sujet. Une interview de Stéphane Vautrant, directeur commercial chez JP Morgan, par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, accompagné de Thomas Dauteville, gérant de la financière Dauteville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez. Quels sont les atouts de l'assurance vie luxembourgeoise? C'est une question posée à David Liebmann, directeur de la distribution et de l'innovation, mais aussi responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Une question qui est posée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Nous sommes avec David Liebmann, directeur du marché français chez Lombard International Assurance. Avec lui, on va parler de l'assurance vie luxembourgeoise, 100% UC en mode digital. Bonjour David. Bonjour Laura. Vous allez bien? Super.
Alors, nous sommes à Patrimonia, l'événement français majeur pour les acteurs de la gestion de patrimoine. Quelle est la place d'un acteur luxembourgeois à Patrimonia aujourd'hui ? Elle est primordiale et légitime. Aujourd'hui, le marché français, c'est le premier marché de l'assurance vie pour le Luxembourg en termes de collecte. C'est de loin un marché très important pour Lombard International Assurance qui a beaucoup développé ses activités en France avec la création de l'IA Patrimoine au sein du groupe, avec notre présence dans le marché du B2B auprès des banques privées, mais surtout des CGP, des family office. Donc nous sommes ravis d'être là et c'est important pour nous de retrouver nos partenaires. Ça n'a pas été que facile ces derniers trimestres. Ouais, ça c'est certain. Alors les chiffres de l'assurance vie sont en hausse. La Fédération française de l'assurance a annoncé plus de 40% de primes collectées par rapport à la même période en 2020. Donc ça, ce sont les UC, hein, le principal moteur de cette croissance. Comment ça se passe chez vous, chez Lombard International Assurance? Où est-ce que vous en êtes sur le marché français? Puis surtout, du coup, donnez-nous les chiffres peut-être des trimestres écoulés. Alors, comme vous l'avez rappelé, nous sommes 100% en unité de compte. Donc évidemment, de voir le principal levier de collecte, le principal moteur de croissance être porté par les unités de compte, ça aide, ça contribue à renforcer le modèle depuis le Luxembourg, notamment chez Lombard International Assurance, 100% UC. Les chiffres sont en effet très bons pour l'assurance vie en France. On avait un petit peu enterré trop rapidement l'assurance vie à mesure que le fonds euro, les fonds garantis étaient moins accessibles. L'assurance vie se renouvelle à mesure qu'elle arrive à porter des thèmes comme les actifs non cotés, le private equity, les thématiques ESG. Beaucoup de gérants sont représentés au sein de l'assurance vie. Ça reste l'enveloppe préférée, principale des épargnants. Donc ça se traduit évidemment par de nouveaux succès. C'est une année de collecte qui n'est pas encore finie, ouais, mais qui a déjà rejoint les plus hauts de 2019, mmh, après un 2020 qui avait été en demi-teinte, même si chez Lombard International Assurance, c'était déjà une année record 2020. Et sans pouvoir vous donner trop d'éléments, mmh, sur notre collecte, on pourra vraiment témoigner en fin d'année, mais c'est une excellente année 2021. On est déjà au niveau de la fin d'année dernière, qui représentait une très belle année, je le disais. Donc nous sommes très contents de participer à ce retour, à cet engouement autour de l'assurance vie et notamment dans nos unités de compte luxembourgeoises. Alors du coup, David, comment vous expliquez ce succès ? Alors ça tient à plusieurs aspects. Je pense que l'assurance vie luxembourgeoise, elle est pertinente, elle est moderne, elle répond à un besoin actuel qu'on retrouve chez, mmh, nos clients français. Mais des clients qui sont aussi dispersés un petit peu de par le monde, parce que le propre de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est pouvoir traiter plusieurs marchés. On est présent dans 12 marchés en Europe. Donc il y a vraiment cette pertinence liée à l'assurance vie. On retrouve toutes les raisons qu'on connaît autour du contrat, que ce soit un contrat français ou un contrat luxembourgeois, la planification, la protection, travailler sur la succession des, mmh, patrimoines pour pouvoir les transmettre dans les meilleures conditions aux héritiers désignés ou aux héritiers réservataires. Donc l'idée, c'est que l'assurance vie, on connaît, c'est un, ouais, modèle simple, accessible. Depuis le Luxembourg, la valeur, la pertinence du Luxembourg et pourquoi c'est moderne, c'est qu'on sait que l'enjeu qu'il y a au travers du contrat d'assurance vie en ce moment, c'est comment est-ce qu'on gère l'enveloppe d'assurance vie, dans quoi on investit. Mmh. On sait que les fonds en euros sont moins accessibles, donc tous les assureurs se renouvellent pour pousser sur les unités de compte. Chez Lombard International Assurance, au Luxembourg, on a cette expérience de près de 30 ans, on fête nos 30 ans cette année, de développer des modèles d'allocation pure en unité de compte. Donc on a notamment toute cette expertise sur les actifs non cotés, oui, les actifs non traditionnels, le private equity, l'immobilier, la dette privée, les infrastructures. C'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup. Je suis surpris, hein, je me suis baladé un petit peu dans les allées à Patrimonia. Oui. Beaucoup de nouveaux acteurs de ces nouveaux marchés de la gestion. Donc le réceptacle préféré, ça reste l'assurance vie, notamment depuis Luxembourg. Ensuite, quelque chose qui explique vraiment nos succès, c'est évidemment notre orientation vers le digital. Mmh. C'est la raison pour laquelle on voulait vraiment, oui, partager avec nous, avec vous aujourd'hui, les nouveautés de Lombard International Assurance. Quand on s'est vu la dernière fois, vous évoquiez justement un grand chantier de transformation digitale, oui, chez Lombard International, oui, Assurance. C'est d'ailleurs le thème, hein, de cette année. Et alors déjà, qu'est-ce que ça signifie, la transformation digitale dans le secteur de l'assurance vie luxembourgeoise? Eh bien d'abord, c'est un aller sans retour. C'est-à-dire que depuis qu'on a lancé le marché pilote vers la digitalisation, vers la dématérialisation de notre offre, 80% des nouvelles souscriptions en, ouais, 2021 ont toutes été effectuées au travers de notre plateforme de services digital Connect. Donc ça, c'est vraiment un énorme changement. Ça avait accompagné nos succès en 2020
au moment du confinement où il était beaucoup moins évidemment facile de se déplacer, de rencontrer nos clients. Donc le succès de la digitalisation, elle passe par l'accessibilité, par la pertinence des modèles qu'on construit. C'est toute une nouvelle architecture. L'idée, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va juste être la sortie d'un nouvel outil. C'est pas one shot, c'est pas une révolution. C'est véritablement un processus de long cours au sein de la société où tous les départements sont en train de se tourner vers la digitalisation. Donc c'est l'idée de travailler avec moins de papier. Alors ça rentre dans les thématiques du moment, hein, avec l'ESG évidemment. Mais l'idée, c'est de basculer dans un monde où aujourd'hui tout est plus facile pour nos partenaires, de venir s'intégrer dans les modèles de solutions de nos partenaires, les agrégateurs, les solutions pour suivre les clients, les solutions de conformité. Donc évidemment, notre plateforme s'intègre dans ce modèle-là. On est très satisfait du taux d'utilisation, des feedbacks, des retours qu'on a de nos partenaires qui apprécient l'outil. Ça, c'est important. On le renforce tous les jours. Et je pense que la meilleure traduction de ce succès-là, c'est nos équipes qui sont présentes en France, à Luxembourg, qui accompagnent tous les jours nos partenaires, qui les supportent dans ce modèle-là, dans leur activité de tous les jours. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Et voilà, et c'est la meilleure façon de le vivre, c'est ici à Patrimonia aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, Laura. Merci, David. Voilà, c'était David Liebmann, directeur de la distribution et de l'innovation, mais aussi responsable du marché français chez Lombard International Assurance, qui s'exprimait sur l'assurance vie luxembourgeoise. Une interview qui était menée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Pourquoi les sociétés de gestion se rapprochent-elles? C'est la question que Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, pose à ses deux invités, à savoir Fabien Bismuth, président de Mescart Hamilton AM, et Dan Sayag, directeur général de Mescart Hamilton AM. Bonjour, Mescart Asset Management et Hamilton Asset Management viennent de fusionner. On en parle tout de suite avec mes deux invités, Fabien Bismuth et Dan Sayag. Messieurs, bonjour. Bonjour Bogdan. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Alors Fabien, la première question est pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez fusionné? Écoutez, cette opération s'inscrit dans la politique globale d'LFPI d'offrir une large gamme de produits à une clientèle diversifiée. Mescart et Hamilton étaient très complémentaires. Mescart avec une réelle expertise ISR, une expertise très pointue auprès d'une clientèle de particuliers, de fondations, d'associations. Et Hamilton a une expertise en small cap européenne, en gestion obligataire et en gestion d'actifs, mais auprès d'une clientèle différente composée essentiellement de CGP et d'institutionnels. Donc cette fusion nous est apparue comme une évidence. Et le nouvel ensemble va peser combien ? Aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes avec plus de 3 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et pour vous, c'était vraiment le sens de l'histoire ? C'est très naturellement c'est que tout ça s'est fait. Pour, et les pour équipes le sont aujourd'hui rassemblées en un seul lieu et tout se passe pour le mieux. Et je crois que ça va très vite parce que vous avez même déjà un site internet. Oui, tout à fait. Hein. Il sort à peine des fourneaux à l'occasion de Patrimonia et il aura le nom de mescarthamilton.com. Oui, là on n'a pas réinventé l'eau chaude, au moins. C'est la logique. Et à terme, les deux noms vont rester, vont perdurer, parce que dans l'image des clients, c'est important que les deux marques survivent pendant un petit moment quand même. Pour l'instant, on souhaite laisser cette empreinte avec les deux noms. Oui, puis il faut communiquer autour de ça. On continuera dans la lancée. Et en termes de produits, alors qu'est-ce que ça va donner? Alors, on a une gamme de produits assez large, hein, puisque nous avons aujourd'hui une gamme de 24 fonds qui couvre l'ensemble des classes d'actifs. On a environ 40% de nos actifs en actions, 40% en obligataires et 20% en gestion diversifiée. On a une expertise très forte sur l'ISR, hein, qui est vraiment une marque de fabrique de Mescart Hamilton. On a 400 millions d'euros sur de la gestion ISR et on va probablement labelliser une grande partie de notre gamme, à commencer par Hamilton Premium Europe, bien connu de nos partenaires CGP sur les small et mid caps européennes. On a également une cinquantaine de fonds dédiés et sur mesure pour des partenaires CGP ou des institutions. Donc là aussi, je pense que nous faisons partie des leaders sur la place sur ce segment. Et enfin, on a une gamme de 12 fonds de partage qui nous ont permis de reverser plus d'un million d'euros de dons l'année dernière à une quinzaine d'associations. Mais Hamilton, vous avez une longue expertise auprès des CGP, donc les CGP vous connaissent bien, donc ça va être plus simple pour vous. C'est vous qui allez entraîner le binôme là. Tout à fait. On est très complémentaires, comme l'a dit Fabien, puisque nous étions en retard par rapport à d'autres sur l'expertise ISR, mais nous connaissons parfaitement cette clientèle CGP pour lesquelles nous avons aujourd'hui une offre de produits et de services qui nous semble être adaptée.
Fabien, pour vous, c'est un univers tout nouveau, les CGP. Vous êtes là aujourd'hui, ça se passe bien? Tout à fait. Vous commencez à discuter de rencontrer de nombreuses personnes et ça fait plaisir de voir du monde à nouveau dans des salons de façon présentielle. Donc, un univers que je suis ravi de découvrir. Alors, qu'est-ce que vous apportez un petit peu dans la corbeille de la mariée là? Parce que l'expertise Mescart, on la sait, sur l'ISR, ça fait longtemps. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés. On en parlait déjà quand j'étais un jeune journaliste. Alors, l'expertise de l'FPI, elle est surtout dans les actifs réels, donc dans l'immobilier et dans le private equity. On a déjà mis au service des CGP en particulier et des particuliers une offre Hamilton Global Property qui repose sur l'expertise des équipes de LFPI en matière immobilière. Et demain, je l'espère, et on y travaille, une expertise en private equity qui sera également accessible au CGP. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir du private equity? Vous avez une vraie expertise là-dedans? Une expertise de plus de 30 ans avec des performances toujours très bonnes. Donc oui, il faut en avoir. C'est un investissement long terme, mais qui a des rendements élevés. Et donc, dans la diversification d'un portefeuille, il faut avoir du private equity. Dan, qu'est-ce que ce nouvel ensemble peut apporter au CGP? Bon, je pense que la thématique responsable, qui a déjà quelques années d'ancienneté chez les institutionnels, est de plus en plus demandée par les CGP, donc par leurs clients finaux. Mm-hmm. À ce titre, on dispose d'une expertise historique très forte chez Mescart Hamilton, puisque nous gérons un fonds éthique depuis 1983, mm-hmm. et nous disposons d'une équipe d'analyse ISR depuis 2005. Je connais peu de sociétés de gestion sur la place prétendre avoir cette ancienneté. Donc on va mettre à profit cette expertise ISR pour nos partenaires CGP. On travaille par exemple actuellement sur le lancement d'un fonds sur mesure pour un partenaire CGP qui serait labellisé ISR. Donc je pense que c'est une première. Vous ferez des fonds dédiés pour les CGP carrément? Tout à fait. On va continuer. Pour nous, les CGP constituent un axe prioritaire en termes de développement. On a également une gamme de fonds qui était jusqu'alors gérée par Mescart AM qui n'ont pas été développés très activement auprès des CGP. Donc nous allons entamer le process de référencement de ces fonds. Certains d'entre eux ont des positionnements très originaux et des track records solides. Mmh. Je pense par exemple à MAM Transition Durable Action sur la thématique de transition écologique. Mmh. Et d'ailleurs... Mesdames, vous parlez beaucoup d'ISR et je comprends, mais est-ce que les CGP ont vraiment envie de cela? Vous êtes sûr que... Parce que là, chez Mescart, il y a du private equity, il y a quand même de l'immobilier. Aujourd'hui, là, tout le monde veut donner du sens à son patrimoine. Je pense que c'est vraiment nos valeurs et que c'est naturel pour les institutionnels, mais comme les particuliers et les CGP. Oui, il y a de l'offre, mais est-ce que la demande est là? Est-ce qu'il y a vraiment de la demande? Oui, je pense qu'il y a de la demande, on en est convaincus, et c'est le sens de l'histoire. Donc, il faut offrir cette opportunité d'investir dans un monde, dans le monde de demain, avec les valeurs de demain, et donner du sens à son patrimoine. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, grand merci à vous deux d'être venus en plateau pour nous en parler. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très souvent à Paris pour en discuter. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Voilà, c'était Fabien Bismuth et Dan Sayag qui revenaient sur le rapprochement entre Mescart et Hamilton. Fabien Bismuth, président de Mescart Hamilton AM, et Dan Sayag, directeur général de Mescart Hamilton AM. Une interview menée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. C'est la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain pour parler des innovations dans le marché de l'art en lien avec les crypto-monnaies. On parlera de NFT, de crypto-art ou encore de métaverse. Et puis, on parlera également des rétrocessions dans le monde des CGP, quelle place pour la confiance lorsque des mécanismes comme ceux-ci sont mis en place. C'est donc la fin de cette émission. On remercie Guillaume Ausson, Mani à la réalisation comme à la production, et Pauline pour son aide à la préparation de toute cette émission. On se retrouve demain, même format, avec également des interviews en deuxième partie signées Club Patrimoine. À demain.